Petit café les amis, Black Myth Wukong est rempli de dizaines voire même de centaines de secrets. J'ai rarement vu ça sur un jeu vidéo, ça rivalise largement avec de grands cadors du jeu d'exploration. Et justement, eh bien aujourd'hui je vous propose de commencer une série de vidéos zone par zone, chapitre par chapitre pour répertorier tous les secrets dans chaque zone. Aujourd'hui on va combiner le chapitre 1 et le chapitre 2, mais après ce sera bel et bien une vidéo par zone et franchement ça n'en finit pas. Je suis en train de faire les guides 100% en ce moment, j'explore de partout et je n'en finis pas de découvrir des choses, je reviens en arrière, en avant, etc. J'ai l'impression que je vais passer 300 heures sur ce jeu. Et bah c'est une bonne nouvelle, mais justement c'est pour ça que ces vidéos sont là, pour tout répertorier comme ça, en une seule vidéo, vous saurez tout ce qu'il y a à voir dans chaque zone. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aviez trouvé tous ces secrets dans le chapitre 1 et le chapitre 2? Et puis bien sûr, pensez bien à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les autres vidéos secrets qui arrivent très prochainement. Comme toujours, ça va être guide 100%, guide des boss, et après, on fait les secrets à gauche à droite. Alors on va vraiment passer en revue rapidement tous les secrets, si jamais vous voulez en savoir plus et les débloquer un par un, et bien il y a des vidéos dédiées sur chacun de ces secrets sur la chaîne ou encore dans la playlist, je vous mettrai les images à chaque fois pour que vous sachiez sur quelle vidéo aller. Dans tous les cas n'oubliez pas le gros pouce bleu également, et puis bah écoutez c'est parti, on y va pour les secrets cachés dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Et on va bien sûr commencer par le chapitre 1, c'est la plus petite zone, donc celle qui renferme le moins de secrets. Vous les avez peut-être probablement trouvés, quoique il y en a des bien secrets. Notamment comment ne pas commencer par la cascade. Une des toutes premières zones du jeu possède une cascade. Vous pouvez la désactiver pour passer derrière, ce qui permettra de découvrir un combat de boss caché. Pour faire ça, vous devez déjà atteindre le chapitre 2. Dans ce chapitre, il y a également un boss intéressant, le prince des sables, un des gros boss du chapitre, et après l'avoir battu, juste à côté, vous verrez un mur avec une texture assez étrange. Et bien c'est un mur secret, en utilisant l'esprit du spectre errant débloqué au tout début, en utilisant un gros coup de tête, hein, c'est ce qu'il est capable de faire, vous débloquerez un passage secret. Derrière ce passage secret, une grande pièce, à l'intérieur une seule chose, un coffre. À l'intérieur de ce coffre, les écailles de Long. Et ces écailles, elles vont vous permettre de désactiver la quasi-totalité des cascades du jeu. Il y a souvent des choses cachées derrière. En réalité, c'est lié à une quête encore plus grande qui va se terminer lors du chapitre 5. Mais ça, on en reparlera dans le futur. Mais déjà, dans le chapitre 1, vous pourrez affronter un immense dragon et en récompense, vous obtiendrez pas mal de choses sympas, notamment pour fabriquer de nouvelles armes ou de nouvelles armures très intéressantes. Et le mieux, c'est que vous pouvez faire quasiment la même chose au chapitre 2. Dans la zone de Roche Tranquille, vous trouverez également une cascade de sable un petit peu plus en hauteur sur la falaise. Et là aussi, en utilisant l'écaille, hop, vous libérez le passage. Directement derrière, c'est un autre combat de boss que vous aurez le droit de faire. Là, c'est encore un peu plus compliqué, mais les récompenses sont encore meilleures. Également des matériaux assez rares ou encore des bibelots très intéressants. Parmi les sorts disponibles dans Black Myth Wukong, il y a une catégorie que sont les transformations, qui vous permettent de prendre des formes différentes et de faire énormément d'attaques avec de nouvelles armes, etc. La première transformation est très simple à trouver dans le chapitre 1. C'est simplement un boss de feu, l'un des tout premiers à battre d'ailleurs, et vous pourrez directement l'obtenir. Et des transformations, eh bien il y en a énormément dans le jeu. La plupart seront assez faciles à trouver sur des boss assez classiques, mais il y en a des beaucoup plus discrets. Et c'est notamment le cas au chapitre 2 où vous pouvez trouver la deuxième transformation, celle qui vous permettra de prendre la forme d'une énorme pierre, ça s'appelle la poussière azur. Et pour ça, vous devez trouver l'homme pierre dans la zone de la tanière des bourrasques. Il va se trouver au fond d'un gros fossé et vous pourrez lui parler. Cependant, comme ça, il ne sert pas à grand chose. Il a besoin d'une essence de pierre. Et l'essence de pierre ne se trouve pas très loin. Vous avez simplement à monter tout au-dessus de la grande caverne qui est juste à côté. Vous trouverez un petit chemin et tout au-dessus, la mer des pierres. Ce boss quasi inoffensif qui se fera défendre par d'autres ennemis vous permettra d'obtenir l'objet qui nous intéresse. Directement après, vous pourrez retourner à l'homme pierre et lui donner. Attention cependant, il va se transformer en boss, il tape très fort, mais une fois que vous l'aurez battu, directement en cadeau vous obtiendrez son sort. D'ailleurs après il deviendra également un marchand qui vend des choses plus ou moins secondaires, ça fait toujours ça de gagner. Ensuite bien entendu, grosse partie des secrets de Black Myth Wukong dans les différents chapitres, c'est les zones secrètes. Chaque chapitre permet de débloquer une zone secrète. Celle du chapitre 1 est assez facile à trouver. Derrière 3 des boss de cette première zone, vous pourrez trouver des cloches, et si vous les sonnez toutes, ça vous permettra d'être directement transporté dans une nouvelle zone. Cette zone, c'est une variante d'un temple que vous avez déjà visité dans le chapitre 1, mais avec des ennemis un petit peu différents, et notamment un énorme boss qu'il faudra aller battre. En cadeau, énormément de choses intéressantes. Déjà des matériaux qui vous permettront de fabriquer l'armure de bronze, qui est une des très bonnes armures à obtenir au début du jeu, mais également pas mal d'autres ressources, et surtout la cape ignifuge, quelque chose qui vous sera utile jusqu'à la fin du jeu pour vous protéger des dégâts de feu. C'est hyper important d'aller la récupérer.
récupérer. Mais il y a également une zone secrète dans le chapitre 2 qui est beaucoup plus grande mais aussi plus difficile à débloquer. Pour ça, vous devez faire la grande quête du sanglier ivre. Ce sanglier est un personnage que vous pourrez rencontrer sur le plateau de la Roche Tranquille et qui effectivement a un petit coup dans le nez. Vous allez devoir l'aider à travers une longue série de quêtes pour lui ramener des objets, faire pas mal de choses, notamment il faudra l'aider à dégriser avec une pierre, il faudra lui amener quelque chose à manger quand il aura faim, le tout avec quelques combats de boss plutôt costauds, et après vous débloquerez le royaume de Saali. Une énorme zone sablonneuse particulièrement impressionnante et qui cache également pas mal de choses sympas. Moustique. Pardon, je viens de tuer un moustique pendant la voix off. Je déteste les moustiques. Sur le chemin, vous aurez de nouveau des boss à affronter, ce qui vous permettra d'obtenir de nouveau pas mal de matériaux, mais également quelques équipements intéressants, comme par exemple le bibelot de la figurine du tigre fou, qui va permettre d'augmenter tous les dégâts que vous allez faire avec les attaques légères, c'est très intéressant. Mais c'est également aussi dans cette zone que vous pourrez déclencher l'un des combats de boss assez impressionnants du début du jeu, contre Fuban, un énorme scarabée qui sortira du sable, on se croirait dans un Final Fantasy. Et après l'avoir vaincu, vous obtiendrez encore une fois énormément de choses incroyable, notamment par exemple un autre artefact légendaire, le dompteur de vent qui vous permettra d'encaisser tous les dégâts avec le vent, et ce sera très utile, mais aussi de faire des bonus généraux. C'est aussi ici que vous pourrez fabriquer un bâton ultra efficace pour le début du jeu, le bâton de Kangjin, fabricable grâce à la corne du nuage étoilé qui est ultra puissant, notamment plus 6% en coup critique. Il est assez cher, mais ça vaut le coup. Et puis dans la zone, vous avez également l'un des collectibles du jeu qui sont les yeux de Bouddha. Vous aurez des têtes à trouver à gauche à droite, il y en a 6 en tout, et ça permet de débloquer plusieurs choses. Déjà un combat, mais on y vient, mais certains d'entre vous ont peut-être remarqué un objet également qui est apparu dans leur inventaire une fois qu'ils auront récupéré les 6 yeux de Bouddha. Les skandas, il y en a plusieurs, il y en a un par chapitre, et ça permet de débloquer quelque chose un peu plus tard, vers le chapitre 5, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas aujourd'hui, mais sachez qu'on en récupère bel et bien dans tous les chapitres, on aura l'occasion de voir ça ensemble. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on continue sur le chapitre 2, et notamment, bien entendu, l'un des trucs les plus importants que vous pourrez débloquer grâce aux têtes de Bouddha, c'est un boss. Un boss de pierre particulièrement impressionnant que vous pouvez réveiller en vous approchant d'un gros caillou dans une zone où vous avez déjà fait un combat contre un autre boss de pierre. Et petit secret intéressant pour les curieux qui ont essayé, c'est effectivement possible, vous pouvez activer les deux boss en même temps. Alors là, je suis pas sûr que ce ne soit pas corrigé au bout d'un moment, ça me paraît quand même un peu mystérieux. Mais oui, effectivement, si vous êtes suffisamment rapide, que vous activez le premier boss, que vous vous dépêchez d'aller activer le deuxième, les deux vont se battre ensemble et ça permet d'avoir deux combats en même temps et d'être ultra efficace. Mais attention quand même, avec ce genre de choses, vous risquez de faire bugger des trucs. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Et puis il y a une autre quête encore plus mystérieuse disponible dans le chapitre 2, c'est la fameuse quête du tambourin. Mais le vrai objet, c'est le tambour Ophé. Effectivement, sur l'un des mini-boss disponibles au hameau de Calmevent, vous obtiendrez cet objet bien mystérieux qui est lié directement à une quête, elle aussi très discrète. Cette quête, elle va simplement vous demander de trouver 3 endroits dans le jeu où il faudra utiliser le tambourin. Ces zones sont discrètement cachées à gauche à droite, mais cache toujours des ennemis sombres et pas très vivaces. Le troisième lieu sera le cimetière du village au tout début du chapitre 2, et directement après avoir fait les 3 coups de tambourin, vous aurez une nouvelle zone qui va s'ouvrir dans le puits du cimetière directement, et vous pourrez descendre à l'intérieur. Directement, vous ferez face à un boss particulièrement difficile, un tigre enragé qui fait des effets de saignement particulièrement puissant. On a déjà vu comment le vaincre facilement. En récompense, vous obtiendrez l'une des nouvelles gourdes du jeu, mais également un nouvel esprit pour vous transformer, ça fait partie des bonnes récompenses à obtenir. Et donc voilà pour les secrets cachés dans le chapitre 1 et le chapitre 2 de Black Myth Wukong, et ce n'est rien, à partir du chapitre 3, ça va tellement plus loin. Vous allez voir, on aura l'occasion de voir ça chapitre après chapitre, zone après zone, alors pensez bien à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater tous les secrets du jeu, et puis allez voir les autres vidéos dédiées. Si jamais vous avez besoin d'aide pour débloquer tout ça, il y a également les gros guides 100%, tout est inclus à l'intérieur. Dans tous les cas, on va continuer tout ça les amis, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous préférez dans les commentaires, le gros pouce bleu également, et dans tous les cas, on se retrouve très vite, en attendant n'oubliez pas, les petits cafés.